les amis et bienvenue à cette nouvelle série de live avec le pasteur Yvon. Nous commençons une nouvelle série d'enseignements intitulée Neutraliser l'esprit de séduction. Wow, neutraliser l'esprit de séduction. Nous allons le neutraliser et le mettre hors d'état de nuit. Ça va être très intéressant. Je vous invite à partager au maximum, partager au moins 10 personnes autour de vous. Nous allons vraiment étudier le principe de la séduction d'une manière générale et nous allons aller pour voir comment l'esprit de séduction agit, comment il arrive à tromper les gens, tromper des chrétiens et les amener même à commettre des erreurs très 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 graves et très dramatiques pour leur vie et leur destinée. J'espère que vous êtes prêts, comme d'habitude, tous les mercredis on est ensemble, nous allons prier et remettre ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons. Et nous te rendons gloire. Merci pour ta présence et ce temps, le partage en ta parole. Ta parole nous éclaire, elle nous révèle le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, elle nous transforme, elle nous rend conforme à l'image de Dieu. Merci parce que tu viens encore nous enseigner, nous instruire, et nos cœurs sont ouverts et disposés pour recevoir ta parole. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors partage. Si tu ne l'as pas encore fait, partage. Et n'hésite vraiment pas à liker, à commenter euh, sur nos différents réseaux. Euh, nous faisons ça pour euh, bénir le corps de Christ, bénir euh, l'Église de Jésus-Christ. Euh, nous sommes très heureux, l'équipe technique et moi, de pouvoir vous apporter ces enseignements. Et c'est toujours euh, une grande responsabilité. Parce que c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, on va y aller. Neutraliser l'esprit de séduction. Vous savez, quand vous lisez dans Luc chapitre 10, au verset 19, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il dit qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il va préciser que rien ne pourra nous nuire. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus est en train de parler à des disciples à qui il a donné force, pouvoir, autorité. Il les a envoyés en mission et ils reviennent avec des puissants témoignages. Ils sont contents. De voir que les démons ont été chassés, les malades ont été guéris, la gloire de Dieu a été manifeste. Et Jésus va leur confirmer, effectivement, je vous ai donné le pouvoir. Et pourquoi je prends ce verset Parce que en fait, ici, euh, on est donc en train de nous expliquer. Jésus nous explique qu'il y a différents types d'esprits méchants qui existent, qui travaillent avec la puissance de l'ennemi, qui travaillent. Euh, sous l'autorité de Satan. Parce que quand vous lisez le verset précédent, Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous comprenons qu'il y a Satan, il y a les serpents, les scorpions. En fait, c'est juste un résumé de différentes catégories d'esprits méchants qui travaillent avec le avec le diable et qui ont donc une certaine capacité de nuisance et ça c'est pas là pour ceux qui ne sont pas en Christ mais pour nous qui sommes en Christ le Seigneur dit que rien ne pourra nous nuire donc si nous sommes conscients de ces réalités là si nous, si nous sommes conscients de notre identité et nous exerçons véritablement notre autorité nous n'allons pas être soumis à cette nuisance mais comprenons donc que, il y a différents types d'esprits qui existent et qui veulent nuire à la vie des hommes. Et parmi ces esprits, il y en a qui sont sous ce que j'appelle l'esprit de séduction. Donc, quand on parle d'esprit de séduction, c'est par rapport à l'outil que l'esprit en question va utiliser pour atteindre les objectifs malsains, maléfiques dans la vie des gens. Donc, esprit de séduction c'est un esprit qui agit dans le sens de la séduction d'accord mais avant de parler de la séduction spirituelle parce qu'il y a plusieurs euh, niveaux de séduction et aujourd'hui j'aimerais poser donc les bases générales euh, des principes de séduction euh, des différents types de séduction qui existent et ensuite nous allons poursuivre euh, dans la séduction spirituelle et comment neutraliser l'esprit de séduction. Donc quand on parle de séduction, c'est l'action, le fait de séduire quelqu'un, de l'attirer irrésistiblement, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Okay? Par exemple, on parle de pouvoir, de séduction, de l'argent. Ça, c'est une définition du dictionnaire. Hein. Le, le, la séduction, c'est le moyen, le pouvoir ou la capacité de séduire. Par exemple, euh, une femme. Pleine de séduction. Donc, est capable de séduire un homme ou un homme capable de séduire une femme. Quand on parle de séduction, c'est aussi l'action de séduire quelqu'un pour l'amener à consentir à des relations sexuelles. Souvent, quand on parle de séduction, la première chose qui vient, c'est le côté sexuel. Mais il n'y a pas que le côté sexuel dans la séduction. Okay Et je me rappelle euh, de ces chrétiens à l'époque, nous étions encore très jeunes. Euh, lorsque ils étaient en face, je parle des hommes, quand ils étaient en face d'une femme qui était très belle, d'accord, qui était séduisante, ils disaient, cette sœur-là, elle a un esprit de séduction. En fait, ils faisaient une généralité, simplement parce que la sœur est belle, et puis du coup, bah, tu te sens un petit peu intimidé par la beauté de la personne, et tout de suite, on va prêter des intentions. On va dire la personne a un esprit de séduction, ce n'est pas du tout de ça dont nous voulons parler, c'est un abus. Hein? Lorsque quelqu'un euh, a du charme, ça ne veut pas dire que cette personne a un esprit de séduction, d'accord Il faut faire la part des choses, il ne faut pas abuser et prêter des intentions malsaines aux gens en ordre et en désordre, ce n'est pas bon. Alors, donc, j'aimerais vous parler des différentes sources de séduction. Donc, on a la séduction humaine, on a la séduction matérielle, on a la séduction du péché et de l'iniquité, si vous voulez, séduction du péché. Et enfin, on a la séduction spirituelle qui est directement liée à l'action d'un esprit mauvais euh, qui vient donc avec un but bien précis qu'il veut atteindre euh, dans la vie de la personne qu'il va séduire. Okay? Parce que donc le but c'est amener la personne à poser des actes, mais aussi c'est amener la personne quelque part. Et d'ailleurs, je vous annonce que après neutraliser l'esprit de séduction, nous allons parler de neutraliser l'esprit d'égarement parce qu'ils travaillent ensemble. En général, quelqu'un est séduit et ensuite il est égaré. Vous voyez, c'est la conséquence. Alors, donc quand on parle de source de séduction, la première, c'est ce que j'appelle la source de séduction la séduction humaine la séduction humaine donc dans la séduction humaine vous avez donc le fait de vouloir rallier quelqu'un à sa cause en employant certains moyens cachés pour atteindre cet objectif d'accord c'est une sorte de manipulation que, qui va être mise en place pour attirer quelqu'un vers un objectif, vers euh, euh, les actions en particulier. Ok Regardons ensemble Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Nous aimons la parole de Dieu ici, n'est-ce pas J'espère que vous avez votre Bible avec vous, que vous avez de quoi noter, parce que je vais vous donner quelques références importantes. Éphésiens 4, 14. Alors peut-être qu'on va lire un peu plus haut hein, pour euh, se restituer dans le contexte et comprendre. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Ephésiens 4, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Est-ce que vous comprenez Donc là, je vous ai dit, c'est la séduction humaine. C'est la séduction que les hommes ou les femmes peuvent déployer pour, justement, à arriver à avoir une emprise sur la personne qui est séduite. Comprenez que le but, c'est emporter la personne, c'est détourner la personne de la vérité. On parle bien de euh, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, quand la tromperie des hommes est mise en œuvre, la ruse par les moyens de séduction, l'objectif, c'est que. Les personnes soient flottantes, que les personnes soient emportées à tout vent de doctrine, c'est que les personnes soient trompées par rapport à ce qui est vrai. Okay? Donc, nous devons faire attention à ça. Les hommes ont des moyens de séduction pour amener des personnes à se rallier à une cause ou simplement la séduction, on va dire, à caractère sexuel. Vous comprenez ça? Okay? C'est quelqu'un qui va donc utiliser toutes sortes de techniques pour vous faire croire euh, qu'il est intéressé par vous, mais son objectif derrière, c'est juste coucher avec vous et vous abandonner. Quoi. En gros, vous servez qu'à ça, d'accord et, et la personne, une fois qu'elle a atteint son objectif, elle vous abandonne comme un, un mouchoir usagé, elle vous balance à la poubelle, est-ce que vous comprenez ça Et donc, elle a utilisé la séduction pour vous amener à, à, à son objectif. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle la séduction humaine Et il y a quelqu'un dans la Bible qui a été exposé à ça et qui a bien résisté d'ailleurs parce qu'il avait une bonne conscience. C'est le frère Joseph, ok Dans Genèse chapitre 37, on va voir comment la femme de Potiphar va utiliser des moyens de séduction et quand elle va voir que ça ne marche pas, eh bien elle va passer à la vitesse supérieure, et elle va employer la violence. Vous comprenez, elle va passer au niveau au niveau supérieur, alors regardons très rapidement Genèse, Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, on peut lire à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit Couche avec moi. Que quelqu'un dise oh. <laughs> oh, 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 comment ça c'est pas ton mari, c'est quoi ton problème? Couche avec moi. Verset 39. Il refusa et dit à la femme de son maître Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je? Un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu. Vous voyez, faire mal et pécher contre Dieu. Écoutez le verset 10. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, elle a essayé de le séduire. Tous les jours, elle venait lui parler. Mais vous pensez qu'elle lui parlait juste comme ça? Elle avait mis en place des... Elle avait sorti ses, ses armes. <laughs> Elle a sorti les armes. Et il y a un homme de Dieu qui disait, vous savez, hein, si on n'était pas chrétien qu'on nous racontait l'histoire de Joseph et qu'on nous dit, oui, Joseph, machin, hein, il a été séduit et puis il a refusé. Si on n'était pas croyant, on allait dire, non, c'est faux. On l'a attrapé avec la chemise quand même. Il y avait la preuve. Hein, le frère Joseph a consommé. C'est quoi le problème? Vous comprenez ça? mais non la bible nous dit qu'il ne s'est pas laissé séduire parce que il voulait faire le bien et il ne voulait pas pécher contre son dieu. vous comprenez ça? donc souvent la séduction va nous amener à faire des choses qui ne sont pas bien et va nous amener à pécher contre dieu. nous devons faire extrêmement attention. et là on parle de séduction humaine. d'accord? On ne parle pas d'un démon qui est venu entrer. Non, non. C'est vraiment une femme qui est attirée par un homme qui veut le séduire. Un homme qui est attiré par une femme et qui veut la séduire. Vous comprenez ça Donc, c'est la séduction humaine. La deuxième séduction euh, dont j'aimerais parler ici, parce que je parle de différentes sources de séduction, c'est la séduction matérielle. La séduction matérielle ou la séduction des richesses. Lisons Matthieu 13, verset 22. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu J'espère que tu as partagé. Si tu viens de nous rejoindre, nous sommes en train de parler de neutraliser l'esprit de séduction. Et donc, nous commençons par voir les principes de séduction, donc les sources. On a la séduction humaine. Maintenant, on va voir la séduction naturelle, euh, du matériel, pardon. La séduction du matériel. Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc là, on est dans le contexte de la parabole du semeur. Okay? où Jésus va donc, euh, vous pourrez lire un peu plus haut, hein, pour comprendre euh, les explications que Jésus va donner de cette parabole et les quatre types de terres qui reçoivent la parole. Okay? Euh, au verset 18, Jésus va dire ceci, donc on lit un peu plus haut pour se remettre dans le contexte. Voici donc, vous donc, pardon, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent. Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Donc, je ne vais pas parler des soucis du siècle présent. Je vais vous parler ici de la séduction des richesses. Et, et comprenez que la séduction des richesses a la capacité d'étouffer la parole de Dieu. Donc comprenez que cette, la, la séduction va avoir des conséquences négatives sur la parole de Dieu que vous recevez dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ça Donc la séduction des richesses, pourquoi on parle de la séduction des richesses Parce que, eh bien, il y a des personnes qui se confient dans leurs richesses. Il y a des personnes qui à cause de leurs richesses euh, vont avoir une certaine sécurité morale matérielle et ils ne vont pas se confier en dieu. donc les richesses vont les induire en erreur. c'est-à-dire que comme j'ai de l'argent eh bien je suis en sécurité. comme j'ai des biens je considère que je suis en sécurité. c'est une séduction. c'est un mensonge. C'est une tromperie. Et Jésus va le dire, dans la, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même dans l'abondance, on peut réclamer ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas que la richesse vienne te donner un faux sentiment de sécurité ou de satisfaction, qui soit déconnecté de la sécurité et la satisfaction que nous obtenons de Dieu que nous obtenions de notre relation avec Dieu, que nous obtenions de notre communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend Donc, il y a souvent ce, ce sentiment-là, selon lequel, eh bien, quand on a la richesse, on n'a besoin de rien d'autre. Par exemple, vous avez des gens, quand ils étaient pauvres, ils avaient certaines relations, et à partir du moment où ils deviennent riches, ils méprisent leurs anciennes relations. Ils marchent sur leurs anciennes relations, ils crachent sur leurs anciennes relations, et en fait, ils, ils oublient toutes les personnes qui ont contribué à, à, à faire de ceux qui sont devenus, vous comprenez Et ils vont comme se bunkériser grâce à cette richesse. C'est encore une séduction et une tromperie. Est-ce que vous comprenez ça Donc, il faut faire extrêmement attention. La séduction des richesses euh, nous amène dans l'erreur. Ça peut brouiller des relations. Et ça surtout, comme la Bible le dit ici, on l'a vu, hein, ça a un impact sur la parole de Dieu que nous recevons. Donc, ça peut étouffer la parole et la rendre infructueuse. C'est-à-dire que Dieu te donne une parole et parce que tu es séduit par la richesse, cette parole que Dieu t'a donnée est étouffée et ne porte pas le fruit voulu. Vous savez que à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans notre vie, il envoie sa parole. Et donc, cette parole, on doit la recevoir. Mais quand nous recevons la parole, s'il y a de la séduction dans notre cœur, cette séduction va étouffer la parole. Donc, le problème, ce n'est pas l'inefficacité de la parole. Le problème, c'est la, la séduction qui a eu un effet négatif sur la parole que nous avons reçue. Est-ce que vous comprenez ça Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des chrétiens qui vont se réfugier derrière les offrandes. Et penser que si je fais une offrande à Dieu, Dieu sera content de moi. Et ils oublient que Dieu nous appelle à la repentance. Que Dieu nous appelle à nous détourner du mal. Donc, tu ne peux pas acheter Dieu ou acheter la conscience de Dieu. Tu ne peux pas venir faire des offrandes et penser simplement que parce que tu as fait des offrandes, tu seras agréable devant Dieu alors que tu vis dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en gros, J'aimerais te dire ceci, la Bible dit que l'offrande du pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu as des richesses et tu as la capacité de venir semer, comme on dit, on encourage les gens à semer. Hein. On encourage à semer dans la maison de Dieu, à semer dans l'œuvre de Dieu, à semer dans la vie des hommes de Dieu, à semer dans la vie des frères et des sœurs. Mais bien aimé, tu ne dois pas te réfugier derrière ça en pensant que ça y est, tu es arrivé. Ok Donc... Um, il y a des gens qui vont penser qu'il euh, suffit de faire une offrande pour que euh, le Seigneur nous soit agréable. Non, Dieu regarde ton cœur. Ne pense pas que tu peux acheter euh, euh, la miséricorde de Dieu ou la bonté de Dieu ou la grâce de Dieu. D'accord Donc c'est très important. Il faut te repentir. Si tu vis dans le péché, tu te réponds d'abord et tu viens faire ton offrande après. Parce que ton offrande ne sera ni agréée par Dieu, ni agréable devant ses yeux. Vous savez que la Bible parle d'une offrande de bonne odeur. OK Voilà. Donc, la richesse, la séduction de la richesse, attention, hein, ce n'est pas la richesse qui étouffe la parole. Eh, hey, merci Seigneur. Ça, c'est un point que je voulais relever. Ce n'est pas la richesse qui étouffe. C'est la séduction de la richesse. C'est-à-dire que tu as la richesse, mais à cause de cette richesse, tu es amené à penser d'une certaine façon. Tu es séduit à cause de la richesse. Et du coup, c'est cette séduction qui va avoir des effets négatifs sur la parole que tu as reçue. Ça va étouffer la parole et la rendre infructueuse. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu OK Donc, là, on est dans la deuxième source de séduction c'est la séduction des richesses. Et je finis cette, cette phase. En parlant de, de jeune homme riche, d'accord Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche Ce jeune homme euh, qui vient dire à Jésus Je te suivrai euh, partout où tu iras. Jésus lui dit Va et vends tout ce que tu as donne l'argent aux pauvres et viens et suis-moi. Et la Bible dit que ce jeune homme a été triste parce qu'il avait de grands biens. Mais pourquoi il a été triste parce qu'il avait été séduit par la richesse. Il avait mis sa confiance dans sa richesse. Il s'était confié dans sa richesse. Et le Seigneur Jésus est venu pour défier cette séduction. Et donc, il va pointer du doigt là où ça fait mal. Il va dire, OK, je vois, tu es connecté, tu es attaché à ta richesse. Eh bien, on va faire le test. Vends tout ce que tu as et distribue aux pauvres. Père cette richesse et viens et suis-moi. Et on va voir si tu es capable de me faire confiance pour que je te redonne la richesse. Ou si tu es simplement accroché, alors on ne sait pas cette richesse, est-ce que c'était le fruit d'un héritage, est-ce que c'était le fruit de son travail, peu importe, mais il était accroché à cette richesse. Il avait été séduit. C'est pourquoi il a été triste quand on lui a demandé de se défaire de cette richesse. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là Donc ça, c'est la séduction euh, qui peut être liée aux richesses, aux biens matériels. Euh, et euh, nous devons vraiment faire attention. Encore une fois, euh, je précise, la Bible dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La Bible ne dit pas que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. Je vais vous donner la, la référence. Je vais vous donner la référence. Ah ça m'est venu là tout de suite, je n'avais pas noté ce passage mais on va le voir. OK. Allez, très rapidement. 1 Timothée 6:10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et si vous lisez même plus haut, au verset 9, 1 Timothée 6, 9, on dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui... Plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce que vous comprenez, ce n'est pas l'argent qui est une racine, c'est l'amour de l'argent. C'est quand on est séduit par la possession de l'argent, par la possession des richesses, par la possession du matériel, cette séduction peut nous entraîner à notre perte et on va s'éloigner, on risque de s'éloigner de la foi. Que Dieu garde ton cœur de la séduction des richesses, de la séduction des hommes. Troisième type de séduction, je vais finir là-dessus pour aujourd'hui, c'est la séduction du péché. La séduction du péché. Regardons Hébreu 3, Hébreux 3, le verset 13. Mais exhortez-vous les, les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, il y a ce qu'on appelle la séduction du péché. Et la séduction du péché va entraîner l'endurcissement. Vous comprenez ça Donc, la séduction du péché, c'est quoi c'est croire que le péché n'aura pas de conséquences négatives sur nous. On pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On pense qu'on peut euh, s'amuser à, à, à commettre des actes qui sont répréhensibles, non seulement aux yeux des hommes, mais surtout aux yeux de Dieu. Et on pense qu'on peut s'en tirer comme ça, parce qu'on veut jouer au plus malin. Ça c'est la séduction du péché. On oh, fait juste ça comme ça, et puis après tu fuis, tu pars, il va, il va rien se passer. Tu es séduit par le péché, et tu vas recouper les conséquences. la le salaire du péché c'est la mort. Il y a un salaire qui est attaché au péché. On ne peut pas euh, euh, penser que on va s'en tirer comme ça, alors qu'on vit dans le péché, alors qu'on vit, euh, on pose des actes qui sont contraires à ce que Dieu veut. Est-ce que vous êtes avec moi jusque là ça, c'est une première chose. Et regardez euh, ce que la Bible dit qui est très importante c'est que la séduction du péché entraîne l'endurcissement du cœur. Vous allez me dire, mais oui, mais euh, quel est le rapport avec moi qu Qu'est-ce qu que ça implique Bien aimé, si ton cœur est endurci, il ne pourra pas recevoir la parole de Dieu. Si ton cœur est endurci, la parole ne peut pas être planté dans un cœur qui est endurci. Si ton cœur est endurci, la parole qui a été plantée ne peut pas germer. Parce que le cœur est endurci. Est-ce que vous comprenez que lorsque le Seigneur vient nous sauver, ce qu'il fait, la Bible dit dans Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre. J'ôterai le cœur dur, j'ôterai le cœur endurci, j'ôterai le cœur incrédule. Parce que tu ne peux pas fonctionner avec Dieu, avec un cœur dur, avec un cœur endurci, avec un cœur incrédule. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu et réussir avec un tel cœur. C'est pourquoi il prend la peine d'enlever ce cœur. Donc, comprenez que la séduction du péché va fermer notre cœur, va bloquer notre cœur. Vous comprenez ça? Et Dieu veut changer ces choses à partir de notre conversion. C'est pourquoi il dit, j'ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui est sensible, un cœur qui peut aimer, un cœur qui peut pardonner, un cœur qui peut recevoir. Vous comprenez ça C'est ce que Dieu veut faire. Là, je parle de la séduction du péché. Quand on parle de la séduction du péché, il faut savoir que euh, la Bible dit, garde ton cœur. Parce que le, la séduction du péché entraîne l'endurcissement du cœur, ok Mais la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc si tu es séduit par le péché, les sources de la vie vont être obstruées, vont être fermées, vont être embrigadées. Les sources de ta propre vie. Est-ce que vous comprenez pourquoi la séduction est dangereuse pour notre destinée Parce qu'il y a des choses qui doivent couler dans ta vie. Il y a des choses qui doivent irriguer ta vie. Mais si tu es séduit à cause du péché, eh bien, les sources sont bloquées, les sources vont être obstruées et ce que Dieu a prévu qui devait couler dans ta vie ne va pas couler. Donc, je prie vraiment que nous ayons un discernement pour pouvoir euh, identifier la séduction des hommes, la séduction du matériel et la séduction du péché. Ça, c'est les trois premières euh, sources de séduction dont je voulais vous parler. Et dans notre prochaine euh, euh, émission, nous allons entrer maintenant dans la séduction spirituelle et nous allons voir comment les esprits mauvais entrent en jeu pour amener cette séduction et amener donc des conséquences négatives. Euh, de, de lier à cette séduction. Est-ce que vous êtes avec moi J'espère que vous avez bien compris que tout n'est pas spirituel, d'accord. Il y a la séduction des hommes, la séduction du matériel. Et quand on parle de la séduction du péché, on commence déjà à basculer dans quelque chose de spirituel, parce que le péché est quelque chose de spirituel, d'accord. Le péché n'est pas matériel. C'est pas l'acte qui est le péché, c'est l'origine. L'acte n'est que la conséquence. Voler. D'accord, C'est la conséquence de, de la pensée du péché qui est née à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça Donc on dit voler, c'est un péché, mais c'est l'origine de la pensée qui a mené le vol, qui est aussi le péché en lui-même. Voilà, que Dieu nous aide, qu'il nous donne du discernement, qu'il nous remplisse la crainte de Dieu pour que nous soyons euh, avisés et que nous ne tombions pas dans les différentes formes de séduction. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à ce les de Lyon. Ou alors, nous envoyer un mail à contact à Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur ACR Lyon.